Salut à tous et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est Flash TV 64. Pour les personnes qui me suivent sur Twitch, c'est Ezio Auditor 64. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour découvrir ensemble le trailer, on peut dire trailer ou le teaser d'Home Life qui va passer sur Tanoa. On va essayer de le découvrir ensemble et de l'expliquer tous ensemble. Allez, c'est parti. Voilà. Alors déjà, je vais essayer de rembobiner comme il faut. Donc déjà pour dire sur le teaser, alors qu'il est magnifique, qu'il est très très bien fait, franchement il n'y a rien à dire. Et gros GG à Saku, qui sera dans ma description bien évidemment. Donc intervention gendarmerie. Donc déjà on va voir en quoi ils vont intervenir. Déjà là on peut voir la brigade maritime. Donc déjà ils vont... la gendarmerie va avoir des bateaux. Donc déjà si on sait que c'est la gendarmerie, ce sera pas les militaires ou quoi que ce soit. On peut voir qu'ils auront des bateaux et que nous on aura des jet skis, tout ce qui est civil, sans doute civil, criminel et rebelle. Qui aura sans doute des poursuites sur l'eau. Et avec un... ils ont un très joli bateau quand même. Je vais pas se le cacher. Les gendarmes, hop là on peut mieux le voir. On peut bien voir le jet ski et tout. Franchement. Ça va promettre des grosses choses. Et là, on peut voir qu'il y a aussi un deuxième jet ski ici. On peut voir la souris. Là. Là, on peut voir un peu les tenues. Apparemment, il y a écrit 45 si je vois bien avec un casque. Deux ont des casques. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je vais essayer de rembobiner pour voir si on voit la tenue du gendarme. Voyons. Non. Ah, non. Bon. Ah, si. Ici, on voit un tout petit peu. On dirait qu'il a une sorte de béret. Un béret, ouais. On peut dire qu'il y a une sorte de béret. Non, on va passer à l'autre. Alors, activité illégale. Et comme il faut. Hop, voilà. Donc ici, on peut voir déjà qu'il y a un nouveau avion. Un nouveau mode d'avion. Qui a l'air vraiment classe. On peut voir les tenues de la personne. Il y a un civil. Déjà, je dirais un civil avec un fourgon ou un tout terrain, un camion. Il m'a l'air plutôt pas mal. Le civil est bien habillé. Franchement, il a la classe comme ça. Déjà, qu'est-ce qu'on pourrait en parler de cet avion? Alors, cet avion, déjà, on peut voir peut-être qu'il y a une personne qui pilote. Donc, à quoi il pourrait servir? Déjà, pour aller sur les autres skills où il y aurait des voies illégales, ça pourrait être un moyen de transport. Ça pourrait être un moyen pour faire de la méthamphétamine, peut-être, qui à l'intérieur est bah, tout ce qu'il faut, une cuisinière ou quelque chose comme ça. S'imaginer des trucs de ouf. Moyen pour se déplacer, je lui ai dit. Il peut aussi faire affaire de largage. Largage aérien qui est normalement sur Omelette, un slide qui est censé se promener en Huron par des Blackfoot. Peut-être peut changer en. Il se pose là pour qu'on devrait l'attaquer pour pouvoir. Libérer les armes qui sont dans l'avion. Ça peut être un truc aussi comme ça. Normalement c'est illégal le largage aérien. On peut s'imaginer ça. Comme j'ai dit, on peut s'imaginer pour le transport de la personne pour la mener un point A à un point B ou pour qu'elle saute en parachute sur le point B qui va rejoindre ses collègues. On peut s'imaginer plein de choses. Donc c'est vachement ça promet du lourd. Ça promet vraiment vraiment du lourd. C'est un teaser qu'on peut voir en live de Tanoa Life Coming Soon. Ça promet vraiment du lourd. J'essaie de vous mettre des photos que Tony a mis, Tony Levada qui est administrateur et colonel de la gendarmerie, qui a mis sur Facebook. Je vais essayer de les retrouver, de les mettre à la fin de cette vidéo. Donc on voit vraiment que ça envoie du lourd. Ça risque d'envoyer du gros gros pâté. J'ai envie de dire. Déjà, c'est rien, c'est que cet avion, ça me donne trop envie de le piloter. C'est tout de malade. Mais, de toute façon, on voit que franchement, ils ont bien travaillé sur le teaser, ils ont bien travaillé sur le Tanoa quand même. Ils ont réalisé du tout. Franchement, gros pick-up à eux et un gros, gros, gros GG.
Donc voilà, bon, ben ça sera la fin de cette vidéo jusqu'au prochain trailer qui va sortir, un trailer ou un teaser, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, la chaîne de Saku sera dans la description si vous voulez voir ce qu'il a fait d'autre comme vidéo. Donc, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me follow sur Twitch et vous abonner sur YouTube. Allez, à la prochaine tout le monde. Bisous, bisous, bisous!